一個一個ですね、添削、修正していきまして、よりどう良くなるかというのを見せていきたいと思います。Et donc, j'ai commencé à corriger certains exercices et j'aimerais vous montrer comment, en changeant telle ou telle partie, on peut faire quelque chose de plus intéressant, peut-être de plus pertinent. C'est une scène de rupture entre Kenichi, donc le garçon, et Yumi, la fille. Donc, nous allons étudier le devoir de cette personne. On voit les deux personnes qui viennent pour se rencontrer, qui sont sur le point de se dire au revoir. Donc à ce moment-là, Kenichi commence à descendre l'escalier. Et à ce moment-là, Yumi essaie de l'interpeller donc quand il descend l'escalier. Et donc lui, sans entendre, sans écouter ce qu'elle a à dire, il passe la porte en fait. Et donc à ce moment-là, donc Yumi décide de courir après Kenichi qui est déjà dehors en fait. Elle arrête à nouveau. Donc là, ils se disent au revoir pour de bon. Ils se séparent à nouveau et là, on voit que Yumi est dans un nouveau contexte, en fait, dans une nouvelle école. Il va commencer à corriger donc toute cette histoire en une, comme si c'était une seule scène en fait. Donc il va essayer de corriger le passage où elle donc Yumi court après Kenichi dans les escaliers. まず、この方はですね、この、パターンと扉が閉まる、のところに、ユミちゃんを、持ってきていますね。Donc, déjà pour commencer, donc la personne qui a fait ce devoir, au moment où la porte se ferme, il a décidé de placer Yumi ici, en fait, dans la dernière case. Et これはですね、扉が閉まったということが、つまり、ケンイチ君とユミちゃんが、扉によって切断されてしまった。Il voulait montrer en fait peut-être la séparation due à la porte qui se ferme en fait qui crée vraiment un blocage entre les deux personnages. C'est pour ça qu'on comprend bien pourquoi en fait c'est une bonne chose que le personnage soit en train de pleurer en fait, en premier ce sentiment de séparation. しかし、少し、駒が、小さくてですね、あと斜めになってしまって、少し、目立たない。C'est un peu dommage en fait, ce qui ressort pas en fait, c'est à cause de cette case qui est un tout petit peu petite et que le personnage en fait, se retrouve en diagonale, on peut améliorer ce côté-là en fait. Donc voici comment j'ai corrigé cette case. Donc la première case c'est la même que tout à l'heure. À peu près. Et donc en fait les deux cases se sont transformées en une seule case. Et donc il a tout déplacé sur le côté en fait.
Et là, en fait, il y a une place qui s'est libérée à ce moment-là, et il a remonté la case qu'on a tout à l'heure. Et ces deux cases-là, il les a placées aussi juste en dessous, en fait, sur le côté. Et donc là, il a réussi à libérer un très très grand, un beaucoup plus grand espace que tout à l'heure. Et donc là, il a trouvé judicieux de rajouter le personnage de rajouter la case tout à l'heure en pied et pour qu'on comprenne mieux l'expression en fait. Et comme il a dit tout à l'heure, le bruit en fait que fait la porte en se refermant est très important. Donc il a essayé de mettre l'accent là-dessus en fait. On voit l'onomatopée là. Et donc là, pour bien montrer, mettre en valeur ce bruit qui est un peu castrateur, on va dire, il a libéré on voit qu'il y a une grande partie de la case qui est occupée par ce bruit. Donc, ensuite, donc on voit que Yumi commence à courir. Et donc j'ai corrigé de manière à ce que ce soit plus pertinent en fait cette course. Et j'en ai fait quelque chose de comme ça. La différence c'est tout d'abord j'ai fait donc le personnage plus petit. Et j'ai ouvert l'espace en fait à droite pour déplacer le personnage plus vers la gauche en fait. Et comme ça, je peux montrer en fait l'expression en fait du personnage, l'expression de tristesse du personnage dans la case, dans la page d'avant. Et donc on peut montrer grâce à l'espace en fait créé qu'elle prend sur soi en fait son sentiment. Et donc comme elle prend sur soi son sentiment, elle décide de courir en fait. Et donc là c'est beaucoup plus smooth, c'est beaucoup plus clair en fait la continuité en fait entre les deux cases. Et ensuite, je n'ai pas trop changé en fait la partie plus normale. Donc cette personne-là, j'ai corrigé seulement ces deux pages. Donc on va continuer avec une autre personne. Donc cette personne, elle a bien compris comment occuper l'espace, comment utiliser l'espace. Donc je trouve ça très très bien, mais on va quand même regarder un petit peu comment améliorer ça. Donc ça c'est la scène de fin où on voit les deux personnages qui sont au milieu de la route et qui se disent au revoir. Donc là on doit bien mettre en valeur la séparation. Comment peut-on faire ? Donc entre ces deux cases, on voit qu'il y a une petite case qui s'insère. しかしですね、この1コマがあるよりも、この2コマで2人の、すれ違いを描くことができます。
Mais on peut, sans cette, en enlevant peut-être cette case, mettre en avant la différence de sentiment entre les deux personnages. Donc j'ai corrigé de cette manière. Donc vous pouvez voir qu'il y a une sorte de centre en fait virtuel qui est donc, au milieu des deux cases. Et donc j'ai déplacé le personnage de Kenichi vers la droite et le personnage de Yui vers la gauche selon cette ligne centrale en fait. Et donc on voit bien que les deux personnages regardent un endroit différent. Et donc dans le reste de la case, dans l'espace qui s'est développé, et on a mis, j'ai mis les mains des personnages. Et donc rien que dans cette partie-là, quand on voit l'expression entre guillemets de la main, on peut comprendre la différence de leurs sentiments. C'est pas grand chose, mais en faisant seulement ça, on peut, voilà, on peut améliorer un storyboard en fait. Voilà, on va aller sur le prochain élève. Le prochain élève. On dirait qu'il n'a pas eu trop le temps parce que les dessins sont pas aussi aboutis que l'élève. On dirait que ça a l'air, c'est pas tout à fait fini. Mais chaque case en fait a quand même une importance en fait c'est très bien fait en fait l'idée de mise en scène en fait. Voilà, j'ai corrigé cette partie là en fait. Donc là, on comprend bien en fait la mise en scène en fait de. Donc là, on voit qu'elle essaie de dire quelque chose. Donc là, elle essaie de lever la main. Et puis là, on voit que le personnage qui dit au revoir. Donc là, on voit bien dans ces trois cases en fait les sentiments en fait éprouvés par les personnages. Donc on va essayer d'améliorer ça. Bon, j'ai pas fait une grande, j'ai pas beaucoup corrigé, on va dire. J'ai fait quelque chose comme ça. Donc en haut, ça veut dire le blanc en fait, ça veut dire que j'ai pas changé en fait ce qu'il y avait. Donc on voit qu'elle voulait dire quelque chose. Donc à ce moment-là, pour être plus pertinent, plutôt que montrer le visage entier, on va renforcer en fait, on va faire le point sur la bouche du personnage. Et donc là, on va dessiner la main un peu plus grand, on va essayer de la faire de manière à ce qu'on reconnaisse que ce soit une main. Et donc là, on voit qu'elle lève la main finalement dans la dernière case et elle dit au revoir. Donc on voit que l'idée en fait, de départ ne change pas trop en fait. On voit que en fait, cette personne-là a vraiment une force en fait, du manga, elle comprend bien le manga, donc c'est vrai qu'on voit qu'il n'y a pas trop de différence. Donc on voit ici cette case-là. Donc
Donc on voit bien en fait qu'il dit au revoir, et là on voit le chemin en fait, qui, la distance qui sépare les deux personnages, qui se déverse comme ça. Là, en changeant la taille des cases et donc la position des personnages, on peut faire quelque chose d'un peu mieux. Donc, voici comment j'ai fait. Donc, on voit que c'est la suite, donc il a un peu amélioré la réponse de Kenichi par rapport à ce qui se passe avant. Donc là, il a dessiné un Kenichi un peu plus grand pour comprendre mieux son sentiment. Et tout à l'heure, donc la Yumi qui était un peu plus grande, il a rapetissé en fait. Et donc là, en faisant ça, on comprend bien la distance qui sépare leurs sentiments, en fait, la distance qui sépare leurs sentiments. Donc on voit bien qu'ils sont très très divisés en fait, on voit la distance vraiment qui s'éloigne en fait. Donc l'intention était la même en fait pour l'élève. Il était peut-être occupé donc il a peut-être pas fini le dessin. Mais l'intention est très très louable et très très pertinente. Donc cet élève aussi était très très bon. Donc dès le départ, on commence par un plan sur la main en fait. Et donc on voit sur les deux pages précédentes comment les deux personnes se séparent. On voit bien le caractère de personnage principal de Yumi. Donc on peut pas tout voir, mais bon, déjà on va se concentrer là-dessus. Donc il a corrigé cette partie-là, parce que c'est vrai qu'il n'a pas le temps de tout voir. Donc on voit bien en fait sur les deux pages comment la différence sentiment des personnages est montrée. Donc en mettant l'accent sur la partie donc en haut à gauche là, on peut montrer plus en fait la différence des deux personnages, la différence entre les deux personnages. Donc voilà, en modifiant comme ça, on peut bien montrer que les deux personnages vont dans des directions différentes en fait. Déjà, on le met de manière quasi parallèle, en fait, on le met au centre de la page comme sur la page droite, en fait. Donc là, on comprend bien, en fait, que leur distance se creuse, en fait, la distance entre les personnages se creuse. Donc ça, c'était Yumi qui court après, en fait, Kenichi dans les escaliers. Et puis, il a décidé de mettre Kenichi en premier plan, en gros plan en fait, pour voir qu'il est déjà descendu, et ensuite à l'arrière Yumi en fait, qui est sur la rambarde. Et donc là, on voit bien en fait qu'on arrive à raconter toute l'histoire presque seulement dans ces deux pages. En fait. On voit bien en fait la distance en fait qui montre bien la différence entre les deux personnages. Et on voit bien que le personnage ne fait pas attention à ce que Yumi essaie de lui dire en fait.
Donc il y a plein de possibilités, c'est vrai, dans ce storyboard. Je vais continuer. Mais on va essayer de mettre en avant ce passage où elle essaie de vraiment de l'arrêter en fait, de le retenir. J'aimerais bien mettre en avant ça en fait. Donc on voit que c'est quelqu'un qui sait très bien dessiner, donc elle a mis un peu des dessins un peu partout en fait. Et quand on fait ça, le risque c'est de ne pas comprendre en fait justement où il faut regarder en fait, comme il y a trop de dessins. Donc en arrangeant peut-être seulement cette partie-là, on peut faire quelque chose d'un peu plus intéressant. On voit que déjà par-dessus donc les cases, il y a des personnages qui s'insèrent en fait. Déjà, on va corriger cet endroit-là. Comme là-bas, on présente le personnage, c'est pas gênant, c'est même pas mal de garder le personnage par-dessus les cases. C'est une présentation, l'introduction du personnage. Donc là, on pense, il pense que voilà, la personne a voulu faire sortir le personnage pour bien mettre en avant son ressentiment, mais il pense qu'en faisant de cette manière-là, on peut mettre plus en avant le sentiment du personnage. Déjà, on peut faire ça en changeant seulement l'endroit où le personnage regarde, en fait, déjà en haut. Et donc là, en changeant seulement donc, la direction du visage, en fait, on peut comprendre qu'on voit bien que les cases sont liées, en fait, parce que le mouvement continue dans la case d'après, et en plus, on voit qu'elle se concentre sur le bruit de pas du personnage qui s'en va, en fait. Donc là, on peut voir que elle entend les bruits de pas et là, elle commence à penser quelque chose. Donc, elle a décidé quelque chose, elle a compris quelque chose et donc là, elle se met à décider quelque chose dans la case qui est beaucoup plus grande. Pour montrer l'importance de cette décision, il a volontairement fait laisser un grand espace. Thank you.
Désolé, on va continuer. Donc on voit bien, on est en train de dire que donc pour montrer l'importance de la décision, il a volontairement créé un espace blanc en fait, pour de la personne, et il a mis l'accent sur l'expression en fait, qui est assez forte, en fait, on voit l'expression du visage qui est assez forte. On voit ici en fait il y a beaucoup de dessins qui sont un peu les uns sur les autres. Et donc on voit bien en fait qu'on arrive à faire un autre genre de sentiment en fait en mettant un espace qui contrebalance un peu en fait la surcharge entre guillemets de la page de cette page là. Donc il pense que voilà c'est plus facile à lire. この方も非常に絵が上手い。On comprend bien que cette personne s'est très bien dessinée aussi. 添削がしづらかった。C'était très difficile à corriger.Et la façon d'utiliser, en fait, de déplacer les cases est très très proche du manga japonais. Je pense que c'est une personne très douée. Donc on va corriger cette page là.Donc c'est une scène où on voit que en fait, les deux personnages se séparent en fait, au milieu de la route et on voit bien en fait, la tristesse du personnage principal. C'est déjà très bien mais je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus pertinent.Donc on va déjà changer la page de droite. Donc j'ai pas changé l'intérieur des cases en fait. J'ai surtout changé la position des cases. Donc on voit bien que la première case en fait est plus ou moins au même endroit.Et les deux cases en dessous de la première case, en fait, il les a déplacées sur le côté de la première case. Et donc là, on peut en fait avoir un grand espace pour montrer ce que, en fait, il est important, enfin, ce qui est le plus important à montrer, c'est-à-dire l'expression du personnage, en fait, la tristesse du personnage.Donc là, on le déplace en bas à droite de la page. Donc on voit que ici, c'est marqué seulement, donc il n'y a pas de dessin, on voit juste que c'est écrit en texte, en fait, au revoir. Donc bon, ça c'est pour mettre en avant, en fait, justement, l'importance de cette phrase. Mais,
Mais malheureusement, comme c'est un tout, c'est assez petit, on ne se rend pas compte de l'importance de cette phrase. Donc là, on a mis la verticale, mais on peut marquer en fait entre les guillemets la phrase au revoir, en fait, ça sera plus mise en valeur ici. Donc il reste deux cases. Et donc il les a placés en fait à gauche de cette phrase là en fait. Donc on va regarder aussi ce qui se passe ici là. Donc là on voit que c'est en fait donc Kenichi est parti et donc Yumi reste toute seule en fait dans sa tristesse. Ici en bas en fait l'expression est bien rendue mais lui il va essayer de d'améliorer la case d'en haut. En fait on peut voir que les deux cases montrent plus ou moins la même expression, ils veulent dire plus ou moins la même chose. Donc là on voit bien l'expression en fait de l'espace vide en fait, l'espace qui est grand par rapport à la personne qui est toute petite. Donc, au milieu de cette voilà, de cet espace blanc, il y a moi qui suis toute petite en fait. Là, la personne a exprimé en fait la solitude de la personne toute petite au milieu d'un grand espace. Donc c'est pour ça qu'elle est triste en fait, parce qu'elle est au milieu de cet espace très grand. Mais le lien entre les deux cases est un petit peu faible. Donc voici comment j'ai amélioré cette page. Pas trop changé. En fait, j'ai orienté le personnage, je l'ai mis dans la même direction que la case d'en bas, en fait, il regarde dans la même direction. Donc là, on peut comprendre que la personne qui est restée toute seule, elle est triste dans la deuxième case en fait. Donc là, on a mis l'accent sur la tristesse en fait, du personnage. À l'étudiant suivant. Cette personne aussi était très, très bonne en dessin. On commence par un endroit où on voit les deux personnages qui sont donc l'un face à l'autre et là ils commencent à discuter entre eux. Ce qui est intéressant ici c'est qu'au début en fait les personnages ils se regardent bien l'un à l'autre mais on sait qu'à la fin en fait ils vont être séparés. Donc ça c'est très bien de mettre l'accent justement sur en fait des personnages qui se regardent l'un l'autre en fait, qui ont quelque chose en commun au début. Donc, c'est une personne qui est très très bonne, forte aussi en mise en scène. Là, on voit bien en fait Yumi qui entend les pas en fait de Kenichi qui s'en va en fait. Donc on voit bien qu'elle est concentrée là-dessus. Donc là, on voit bien qu'elle a entendu ça et là qu'elle commence à décider quelque chose au milieu. Et donc comme elle a décidé quelque chose, elle commence à courir. しかしですね、なんだか走っているようになんか見えないんですよね。これは絵が下手、絵がちょっとここは雑になってますけど、そういう問題じゃないんです。
Donc là, on voit bien en fait que on comprend difficilement en fait que la personne se maquille, mais c'est pas un problème de bon ou pas en dessin en fait. Donc là, on peut en fait en mettant le personnage un peu plus bas, on peut mettre en avance justement le fait qu'elle commence à courir. Voilà, on peut déplacer le personnage un peu plus bas pour voir qu'elle a commencé à courir en fait. Est-ce que vous ne voyez pas que le personnage bouge plus que dans la case d'avant? Ça, on peut l'expliquer en fait par l'apparition de cet espace blanc en fait, au-dessus du personnage. Donc, en fait, il faut savoir que quand on lit une case, il y a un ordre de lecture en fait. Donc là, on voit bien qu'on commence à lire en haut et qu'on finit la lecture en bas. Donc là, c'est parce que l'œil suit le personnage en fait. Donc là, qu'est-ce que les gens ont compris en fait dans la lecture? Donc là, en fait, on comprend le sens du vide. On voit bien que c'est un escalier. Donc on voit bien qu'il y a un personnage, une femme et une jeune fille qui court sur cet escalier. Donc là on voit bien que la personne est au milieu des escaliers. Mais là on voit bien en fait la déclinaison de la première case où il y avait un seul sens. En une case, il y a deux sens en fait, une succession de lectures. En fait. L'œil s'arrête d'abord sur l'escalier, puis sur la fille, contrairement à tout à l'heure où il y avait la fille qui était dans l'escalier. En fait. Donc, dans notre cerveau, en fait, le lecteur va comprendre que elle a déjà couru en fait cette partie-là de l'escalier. Elle a déjà dépassé sur cette partie-là de l'escalier. Donc, on comprend bien qu'il y a un mouvement. Elle a bougé en fait dans cet escalier. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à mettre le personnage au milieu de la case. Mais donc on peut quand même, il faut quand même essayer de voir si on ne peut pas bouger ce personnage au sein même de la case. Et donc là on peut s'arrêter sur l'espace qui est créé par l'absence de personnage qui a été positionné ailleurs en fait. Et donc là, on peut rajouter un sens à la case, et donc là, en l'occurrence, c'était le sens du mouvement, en fait, du mouvement. Ça, c'est la fin où on voit bien, en fait, la scène de séparation entre Yumi et Kenichi. Donc on voit bien encore une fois que le personnage est au centre de la case. Alors on va essayer de bouger le personnage. Alors qu'est-ce qui va se passer si on bouge le personnage? Donc voilà, on va essayer de le placer en bas de la case. Donc là, comme on l'a placé en bas, il y a un espace blanc qui se crée au-dessus du personnage. Donc, quel sens il y a dans ce blanc en fait? Donc, par exemple, quand il y a comme tout à l'heure le décor en fait de l'escalier qui est dessiné, on voit qu'elle s'est déplacée sur l'escalier en fait. Il y a un lien avec l'escalier. Donc, ça, c'est l'expression du mouvement en fait. Et donc en fait, dans le manga japonais, il y a ce qu'on appelle le kuraku, l'espace blanc en fait. Donc
Et dans ce coup à coup, dans cet espace blanc, qu'est-ce qui rentre? C'est le sentiment du personnage. Donc là, on voit qu'elle réfléchit quelque chose, elle commence à vouloir dire ce à quoi elle a réfléchi. Et donc ce sentiment-là, en fait, qu'elle veut définir, il va se placer dans ce plan de la dernière case. Donc là, le sentiment en fait qu'elle voulait dire, il se place sur cette bulle en fait qui dit au revoir. En fait, on comprend bien en fait ce qu'elle voulait dire. Ça, c'est quelque chose, c'est une technique très typique du manga japonais. Donc on va voir, il y a d'autres cas qu'on peut présenter. Voici notre prochain étudiant. Donc il a réfléchi où, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Donc il a voulu corriger ces deux pages. Donc vous avez peut-être compris, mais on voit bien que le déplacement dans l'escalier est un peu difficile à comprendre. Donc j'ai corrigé de cette manière. Donc on peut aussi, en fait, tout en modifiant aussi la position des éléments de la page, on peut aussi rajouter une case pour expliquer mieux ce qui se passe. Donc voici comment j'ai corrigé. Donc on commence par la porte qui se referme. Donc je le dis plusieurs fois déjà, mais le fait que la porte se referme, c'est le sentiment de Yumi qui a été rejetée en fait. Donc là, elle regarde ça, elle comprend ça et elle commence à pleurer. Donc là, on voit en fait avec l'apparition de ses dents et le fait que ses mains se mettent ensemble. Ces deux cases en fait montrent en fait tout doucement en fait la décision qui est en train d'être prise en fait. Donc là, comment j'ai corrigé cette page, en fait, j'ai divisé cette case en deux cases. Et donc, en fait, dans la dernière case, j'ai déplacé le personnage dans l'espace de la case. Donc là, on voit bien qu'elle a dépassé l'escalier et qu'elle sort de l'escalier. J'ai pas voulu trop changer donc cette case, mais là on voit bien dans ma phrase qu'en fait elle a couru en fait, elle a dévalé cet escalier. C'est un peu comme si je l'avais mis au passé en fait, elle a dévalé déjà l'escalier en fait, elle est pas en train de le faire. Cette partie-là était une partie très très intéressante. Donc ils sont tous les deux d'un côté de la route en fait. Donc là on voit bien, donc c'est une scène qui se passe après que Yumi soit exclue en fait sentimentalement par la fermeture de la porte.
Et en fait, c'est encore une fois un moment qui va annoncer une séparation. Et donc là, on voit bien qu'elle arrive quand même à le rejoindre, mais ils sont toujours séparés par quelque chose, et ce quelque chose, c'est la route en fait. Donc la distance dessinée par la route, c'est en fait la distance entre leurs sentiments respectifs. Donc on va essayer d'améliorer quand même cette partie-là. Donc là on voit bien en fait que la distance se sépare déjà. Pour accentuer ça, on va mettre les personnages un peu plus petits. Donc en haut, on voit bien qu'il y avait trois cases qui étaient utilisées. Donc on voit les deux premières cases. Là on voit bien qu'elle sort et qu'elle se rapproche de Kenichi. Donc là ce qui est important aussi c'est qu'elle essaye justement de l'arrêter en l'appelant. Donc là les deux cases, les a transformées en une seule case. On voit bien en fait qu'elle sort et qu'il s'éloigne. Et donc la case importante qui était Yumi qui essaye de l'arrêter, elle a été agrandie et elle a été mise comme ça sur le côté. OK, そうすることで呼び止める、ユミちゃん、そしてここに空白がありますよね。On voit bien qu'elle essaye elle essaie de l'arrêter et il y a un kuraku donc un espace blanc qui se fait sur son côté. そこの呼び止めたい気持ちという先に、あったのはDonc là, en fait, en faisant ça, on voit bien que ce qu'elle voulait faire, c'est-à-dire l'arrêter, donc ce sentiment qui se retrouve dans cet espace blanc, en fait, est contré par le fait qu'il y a quand même toujours cet espace qui les sépare. Déjà très bien avant, mais en modifiant comme ça les cases, on arrive à faire quelque chose de plus pertinent. Ça ressemble un peu, mais... Donc là, on va essayer de voir quel est l'endroit le plus important. Donc on s'en rend bien compte qu'en fait la partie la plus importante c'est donc le gros plan sur Yumi en bas. Et on voit bien qu'en haut en fait à droite le fait qu'elle essaie de l'arrêter cette action là est aussi très importante. Et on voit en fait que donc elle essaie de l'arrêter et que le résultat en fait de tout ça c'est qu'elle va être triste quand même finalement à la fin. Donc en fait les deux cases sont liées. Donc on va essayer de faire que ce soit plus compréhensible. Hein. Là, on agrandit la case où elle commence à parler. Donc là, on voyait bien que l'expression du visage n'était pas définie au départ. Mais à la fin, il y a une vraie expression en fait, qui est définie, on comprend bien ce qu'elle ressemble. Il faut pas montrer en fait jusqu'à cette case son sentiment. Donc on voit bien en fait que son visage est un peu effacé, on voit bien en fait qu'on ne met pas en avant son expression encore. C'est aussi pareil, et on voit en fait dans l'autre case. Non, c'est pareil.
dans la case d'origine, en fait, il y avait seulement Kenichi, en fait, sur la ligne. しかしですね、ここにですね、ユミちゃんの背中を追加して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 、ユミちゃんの背中を追
Sur cette page-là aussi, j'ai essayé d'améliorer quelque chose. Donc en fait, il y a juste à changer cette simple case en bas à droite. Ce qui est important, c'est qu'elle, elle, dans cette case, c'est le au revoir qu'elle n'a pas envie de dire, mais qu'elle arrive tout de même à dire. On voit bien qu'il y a une grande distance, mais qu'elle arrive quand même à dire donc c'est un endroit où on voit bien en fait son sentiment. Okay. Voici comment j'ai changé. Donc les cases de départ, je les ai mises un peu en hauteur. Et donc la case importante, en fait, tout à l'heure, vous rappelez le personnage était au centre, il a créé un espace blanc en tout pour mettre en valeur le centre. Et donc on voit bien, en fait, à la fin, le personnage qui s'en va. Donc là, j'ai fait exprès d'ouvrir en fait une partie, de laisser un espace blanc entre les deux personnages. Les personnages vont être séparés par la suite. Et voici comment j'ai corrigé la partie, c'était la plus. La suite, c'est ça en fait. On voit bien en fait, donc, en corrigeant avant, comment on arrive sur l'importance aussi de cette case tout en haut. Maintenant, on va aller regarder le travail du prochain élève. J'ai commencé par corriger ces deux cases. Donc dans le manga, sous le manga japonais, on lit de droite à gauche. Donc là, on voit que les deux personnages sont au centre de la case. Donc c'est une case qui montre que les deux personnages qui se regardent. Donc là, comme on lit toujours de droite à gauche, on lit d'abord cette partie-là et ensuite cette partie-là. Et ça, on voit bien en fait Yumi qui regarde Kenichi qui s'en va. Donc là, pour être en accord avec le sens de lecture, le mieux ce serait de changer l'orientation de la case. Là, on voit bien qu'elle ne veut pas qu'ils se séparent. Malgré ça, ils s'en va quand même. この図はですね、実はですね、次のページなんですね。この図は非常によくアングルが似ているんです。これ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 は非常によくア
の最後の駒がこれだって。Quand on regarde en fait cette dernière case, c'est pour ça que j'ai inversé dans mes caméras et je l'ai fait dans complètement l'autre sens. Comme l'angle de caméra change, l'intention de la case est mieux mise en valeur. Ça, c'est beaucoup plus vivant en fait. でですね、まあ、あとそれと同時にですね、このコマも少し修正してみました。ロシアの表示で、どのように修正したか、まず少し見てください、このページを。なんとなくなんですけども、非常に似通った、顔の大きさがあるような気がしませんか。We don't specify the date. Il y a beaucoup de cases où la taille des visages en fait est la même. Donc, en faisant cela, on peut voir que ça va être plus grand. Kenichi-kun un peu plus de l'arrière, on rapproche Kenichi de la caméra et on est plus grand. Donc, on comprend bien que Keiichi a entendu en fait, la parole de lui qui s'est de l'arrêt. Et cela est d'ailleurs comme les deux visages étaient plus ou moins de la même taille, on arrive à améliorer en fait, le lien entre les cases. Manga はですね、この2ページが映画と違って、すべてのコマが見えてしまうわけですね。Donc, le manga, en fait, contrairement au cinéma, on voit déjà toutes les cases lorsqu'on regarde une fois. なので、同じような動画が見たら、少し人は混乱してしまいます。Donc, quand les personnages ont plus ou moins, pendant plusieurs cases, il y a plus ou moins la même taille de visage, c'est difficile de comprendre ce qui se passe. その混乱を避けるために、このような解説をしたわけです。Pour que ce soit plus facile à comprendre, on change la taille des visages dans le monde. Comment pensez-vous qu'on peut corriger ce que vous avez vu? Vous avez bien compris, donc on descend le personnage. What do you suggest me to do? I don't know. そうすると下のところの空間が少し小さくなってしまいます。スパスする場合が多いです。なので先ほどここは2コマでこれを行っていました。こちらも我々はこのアクションを使って、まあ弓が扉を開けず天一が傷つくというコマです。弓が開けず天一が傷つくというコマです。そしてカメラを切り替えしてユミがケンイチ君と呼びかけるコマになります。カスマンがこのショットを見るとユミアンテペルケンイチ、なので一つにしてしまうわけです。ラムジェのソメスケンイチ、扉を開けるユミ、そして気づくケンイチに声をかけるユミちゃん。で、どうも、ケンイチせんぽつくまあ、こうすることで情報が整理されて、まあ、こちらをより大きく見せれますし、まあ、ここも簡潔になりますよね。こういうふうにすると読みやすくなります。
On va corriger cette page. Donc en regardant cette page, je pensais que cette case-là, donc cette expression dans cette case-là, était très intéressante. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que comme on retrouve des cases qui ressemblent un peu à cette case, donc c'est difficile de comprendre toutes les informations. Là vous avez vu cette case-là. Donc si on a envie de mettre l'accent sur cette case-là, on devrait pas mieux donc, changer cette case-là. Voici comment je suis un homme que j'ai supprimé la case. Donc en haut, vous voyez que c'était sur deux cases, moi je l'ai fait sur une case. C'est la même intention, mais voilà, moi je l'ai mis sur une case. C'était une bonne idée en fait de faire lever la main comme ça. On voit bien en fait les lignes de mouvement en fait. 先ほど言った通り、空間を使うことによって Mais on peut en fait montrer le mouvement sans ligne de mouvement, simplement avec un espace blanc. Donc là on voit bien le personnage et on met bien en avant la tête, la main qui se lève. On voit bien en fait que cette main, elle a un sens en fait, elle fait quelque chose avec cette main. そして、その後、この2人が分かれるところで、なので、この正面を先ほど言ったところで、向き合って分かれるわけですね。しかし、どのような状況でというのが、ちょっとここでは分かりにくくなっています。ここ、意思、on ne comprend pas trop en fait quel leur situation, en fait le lien entre les deux。なので、さようならと一度言うところを、この Lorsqu'elle dit au revoir, en montrant bien en fait en mettant une distance entre les deux personnages, on peut plus montrer leur sentiment. Comme on a bien compris le contexte en fait, de la relation, la situation dans laquelle ils sont. Les deux visages qui sont ici ont beaucoup plus de sens qu'avant. Donc j'ai pu corriger en fait ce que j'ai reçu des étudiants en fait. Donc pour les étudiants j'ai plus ou moins en fait fini déjà la correction. En général, en fait, j'ai pas eu le temps de finir encore. Et,
excuse, mais il va rentrer donc, ce soir à l'hôtel et il va essayer de corriger en faisant une nuit blanche. Et j'espère être derrière lui et il ne pourra pas dormir tant qu'il n'aura pas fini. Demain, en fait, il va bien sûr y avoir le cours. Il aimerait bien donc créer un petit temps en fait, pour, voilà, pour les corrections après ça, après le cours. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir le voir. 納得がいかない人は彼のEメールを聞いてですね、メールで、問い合わせください。ありがとうございます。